inshallah, avec le programme que nous avons déjà commencé. Je vois avec nous le sort. Est-ce que ça va bien? Ça marche? Bien, c'est bon. Alors, donc, on va commencer. Aujourd'hui, on va corriger un exercice des circuits mixtes. On va faire les points sur les IFAD, le style des exercices. Donc, je n'ai pas de circuit là. Puis une inductance L en série avec une résistance R. Voilà. Donc la première question c'était quoi? Déterminer l'impédance complexe équivalente de ce circuit. Question A. Donc, je ne calme pas de même. J'espère qu'on s'en souvient d'abord. Alors, ce que nous avons dit, le circuit à l'œuvre, nous avons l'impédance complexe équivalente. Okay? Donc, nous avons l'impédance à l'œuvre, RC série, ou RL ou L en série. Donc, il y a une même chose à l'œuvre, par exemple, en série, l'impédance complexe. Ou la même chose pour l'œuvre, on dit. En parallèle. Comme vous voulez. Donc, par exemple, il a pris un rythme maintenant de café. L'impédance complexe équivalente de là. Il y a ZRC, ZZC. Donc, il a mis ZA. C'est ZRC plus ZC. En complexe. Okay? L'impédance complexe d'une résistance, c'est RC. Ou pour le condensateur, c'est moins JXC. Okay? Donc, on a dit RC n'a qu'est JXC. On a RL zaïd JXL. Donc, on a RC plus ou la moins JXC, Yahadi, Melha en parallèle avec RL plus JXL. Ok? D'abord, je ne pas, ou la salle de dire les mathématiques, d'abord le calcul. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, deux impédances en parallèle, qu'est-ce qu'on va faire? La multiplication, donc RC moins JXC fois RL plus JXL, le tout est divisé par la somme. Je vais atteindre le même nombre. RL plus RC plus J facteur de XL moins XC. Ok? Donc, darb, hawa, le produit, divisé par la somme. À la somme. Ok? Je m'en ai dit, RC zaïd RL plus JXL moins JXC. Donc, MLTJ, donc c'est XL moins XC. On bête, je l'en dirai, on calcule. Ok? On calcule, on va remplacer
RC, XC, RL, RC, XL par leur valeur. Donc, كل حاجة نعوضها, on va la remplacer par sa valeur et on calcule Z. Okay? Donc, je fais le calcul شحال عطانا. Donc, le calcul, vous allez remplacer هادو. Donc, on va vous expliquer maintenant les valeurs, les lqits. دونك باش نبسط واحد شويه غادي تجيكم اسيدي الى حسبتو دونك هنا افيك انا غندير لكم هنا افيك عندنا ار ال سي 250 ار سي سي 100 اوم اكس ال دونك pour ceux qui vont refaire le calcul XL c'est combien c'est 628,3 ohms XC c'est combien c'est 53 ohms ok donc lorsque vous allez remplacer qu'est ce que vous allez trouver Z c'est combien c'est 300 plus J 8 divisé par 350 plus J 575,3. Donc après tout calcul fait ici, on va se mettre en haut et on va obtenir la même chose, on va se calculer ce chiffre, on va trouver ce chiffre, c'est ce qui est. Donc lorsque vous allez trouver cette impédance complexe, vous avez le choix. Ou bien, vous arrêtez ici. Okay. Et tu peux, à partir de celle-là, tu peux calculer le module, et ce LG. Le module et l'argument. Comment on va faire? Puisque je ne vais pas me dire que je vais me dire donc, si dans cette question, on vous demande de donner l'impédance complexe. Normalement, vous devez l'écrire sur cette forme. Supposons supposons qu'on nous a demandé juste de calculer l'impédance et l'argument, sans calculer l'impédance complexe. Bien sûr, on doit passer par l'impédance complexe. Voilà qui. Ce n'est pas la peine de perdre du temps. Il suffit de quoi faire. Il a pris le module de la Z. Je n'aurais pas dit. Ou le module de la Foukani divisé par le module de la Z. Okay? Il a pris le module de Z. Ou le module de la Foukani. Il a le module de la Z. Okay? Le module de Foukani Rahbaï. Racine carrée de ta 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 la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, la même chose. Ok, Brétit, l'argument de Z, je vais dire, c'est l'argument d'Yelheda moins l'argument d'Yelheda. Il est ma Brétit, je vais dire, le conjugué, etc. Donc, en général, il a quand même Z. Le complexe Z, c'est Z1 divisé par Z2. Alors, l'argument de Z, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Ok? Pour le module, c'est le rapport. Donc, le module de Z, tu vois, le module de Z1 divisé par le module de Z2. Okay? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais calculer. Donc, j'ai multiplié par le conjugué. Okay? 350 moins J, etc. Okay? Le calcul, c'est le calcul. J'ai trouvé
Z égale. Vous pouvez refaire le calcul si vous voulez. Donc, 9 moins J 35,7. C'est-à-dire Z que j'ai trouvé. Ok, je m'en dis, c'est un loi que je dois faire conjuguer, etc. Donc, c'est du mathématique. Je vais vous dire, donc, on va vous dire, Z, le résultat final, j'ai trouvé Z, c'est combien? C'est 107,9 moins J, 35,7. Ok? La question B. Je vais la question B. La question B, il y a le module et l'argument. Donc, puisque déjà accepté l'intérieur, donc le module de Z, ou les carmesolés Z en ohm, c'est la racine de combien? 107,9 au carré plus moins 35,7 au carré. Ok, yeah. Donc ça va donner combien? À dire, attendez, c'est dit 113,6. Donc Z, c'est 113,6 ohms. Donc la valeur de l'impédance de ce circuit, c'est 113,6 ohms. L'argument. Pourquoi nous avons calculé cette Z complexe? Son module et son argument. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Qu'est-ce que c'est l'objectif? Qu'est-ce que, à votre avis? Pour déterminer ce que c'est. Juste le rapport entre U et I, les valeurs efficaces, ok? Qu'est-ce que U et I? C'est l'impédance de ce circuit, c'est Z. Ok? Et le déphasage entre U et I. Je vois le déphasage entre U et I. C'est l'argument de Z qui rassemble had U ou had I. Ok? Donc, il y a l'argument de Z qui est là. Donc, je sais que je connais. Donc, Z, il y a U. 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 Le meilleur de Z, le module, c'est U et I. OK هو المعيار ديال هذا يلا كتبناها فشي بلاصه شنو هو المعيار ديال U complexe c'est la valeur efficace de U c'est quoi le module de U complexe c'est la valeur efficace de I donc شنو كتعطينا Z égale à U divisé par I OK l'argument de Z شنو غيكون c'est l'argument de U moins l'argument de I OK كتبوها هنا quelque part. Donc, l'argument de Z, c'est l'argument d'Ada. C'est l'argument d'un complexe divisé par un complexe. Ou l'argument de Focali, l'argument de U, moins l'argument de I. C'est quoi l'argument de U complexe, une tension complexe? C'est quoi son argument? C'est sa phase initiale. Pour le courant, la même chose, c'est sa phase initiale. La phase initiale de U moins la phase initiale de I. C'est la définition du déphasage entre U et I. Donc voilà pourquoi on calcule ce Z complexe, ou bien cette impédance complexe, pour déterminer et le déphasage entre U et I. Donc, nous avons le module et l'argument. L'argument de Z, voilà Z complexe. L'argument d'un nombre complexe, c'est tangente moins 1. La partie imaginaire. Pardon. 35,7 divisé par 107,9. Voilà. Donc, c'est ça l'argument de Z. Donc, on va trouver combien? J'ai trouvé moins 18,3 degrés. OK? C'est bon.
Donc, pour moi, c'est la question la plus importante. Parce que dès que le régime est bête, ma fille t'a chihaj. Mais la plus importante, c'est Z complexe. Donc, je vais voir, est-ce que vous avez des questions avant de continuer. Il y a quand même un petit peu, s'il vous plaît, essayez. Vous voyez, je ne dois pas faire comme parce que vous allez chez toi. Mais quel wallo, je peux passer? D'accord, ma quinte est sur elle, donc je passe. Je passe. Alors, la question suivante, est-ce que nous la question suivante, est-ce que nous avons calculer les valeurs efficaces des courants I, I1 et I2. Ah bon, I, I1, I2. Donc, je vais dire, qu'est-ce qu'on va faire? I, est-ce que nous c'est U divisé par chno. Radit chouf chnaria l'impédance, dima, l'impédance mabine had le courant ou had tension. On dit chouf circuit. Donc, qu'est-ce que je dis? Ha U, ha I. Had il min d'achl, chno ou circuit li d'achl li, ou had a kam. Donc, l'impédance qui relie U et I, c'est quoi? C'est cette impédance li hiya, c'est Z total que nous avons déjà calculé. Donc, U divisé par Z. Rendu, c'est vous I1. Manque ce point, non? Est-ce que vous I1? Ah ouais. Ok? Est-ce que vous allez dire la même chose? La tension, l'indi, non? Est-ce que vous allez dire la tension, l'indi? Donc c'est la même tension, U. Divisé par quoi? Chouf d'ac I1 fin d'achel, fin d'achel, fin la branche. Pas de branche, elle. Chno fait à la branche. C'est RC en série avec C. Donc, je vais aller à la I1 ou U. I1, c'est U divisé par l'impédance de cette branche. L'IFIA, I1. L'impédance Schneier. Circuit RC série. Vous connaissez déjà l'impédance d'un circuit RC série. C'est combien? C'est la racine de la résistance au carré plus. Plus la réactance capacitive via le condensateur au cas. Okay? Donc, U divisé par Z, 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 la même chose pour I2. I2, Z, 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 tension. C'est la même tension U. On va la diviser par quoi? Radi tchouf dak I1 fin dakhl. Radi tchouf gaa douk l'anasir li dakhl lihom I2. Afouan, I2. Anna L ou RL. Yani hada hiya la branche li dakhl liha I2. Ou chnou hiya tension li kayna hna? C'est U, donc I2 chnou raykoun. U divisé par cette impédance. Chnou hiya de l'impédance li hna? C'est R, L siri. Donc bhal hadi. Donc, I2, c'est U divisé par RL au carré plus XL au carré. Voilà. Donc, j'espère que c'est ça. Je vais voir les valeurs numériques. Donc, j'ai trouvé ici 0,88 ampères. I1, 0,883 ampères. Et I2, 0,148 ampères. Ok? Donc, pour les valeurs, les courants I, I1 et
I2. La question suivante, Shnaya. Donc la question suivante, je pense, c'est les tensions. Voilà. Donc les tensions, les kénines. Donc la tension URC. C'est la résistance RC fois quel courant? C'est IA. Efficace. Hein? De même pour UC. C'est-à-dire UC, c'est combien? C'est XC fois IA. URL, c'est combien? C'est RL fois IA. Et enfin, UL, c'est XL fois I2. Je m'excuse, fois I2. OK? Donc, on va trouver 88,3. UC, on va trouver 46,8. URL, on va trouver 37 volts. Et enfin, UL, c'est 92,9. Voilà. C'est bon, d'abord on a les déphasages. Donc je vais vous dire sur Elena avant de continuer. Donc j'espère qu'on a le chewad. Degré, on a fait l'argument de Z, degré ou la radian, moi j'ai calculé avec le degré, donc tu peux calculer le radian, le grade, mais je me suis dit. Alors, donc je passe à la question suivante. Je vais déterminer ou la calculer les déphasages suivants. Donc c'est la question 4. On a phi de IA par rapport à U. Ou on a phi de I2 par rapport à U. C'est bon. Alors, je n'ai pas phi de IA par rapport à U. Vous avez le déphasage. Mabin, Awa IA. Mabin, Had le courant. Ou Had tension. Donc, dis-moi. Yallah, Gnaha Kabila. Toujours. Pour déterminer. Le déphasage entre une tension et un courant, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, la plus simple, c'est chercher l'impédance. L'impédance qui relie cette tension et ce courant. L'impédance, c'est la tension et le courant. Je lui ai de l'impédance. L'argument de cette impédance, c'est le déphasage entre de U par rapport à I1. Donc faites attention, dit Aoul Haj. Donc là est égal à moins le déphasage de U par rapport à I1. Ok? Je nous qui savais l'argument de Z. C'est le circuit série. Dans un circuit série, je nous qui savais le déphasage entre U et I. On a dit RLC série. Le déphasage entre U et I dans un circuit RLC série, c'est tangente moins 1 de XL moins XC divisé par R. RLC, ok? On a RC série. Ils sont en série. Mais on a L. Je l'aurais pas. Donc, le déphasage mabine U et IA, c'est combien? C'est tangente moins 1 de moins XC divisé par R. Donc, là, on dit, le moins
tangente moins 1 de moins xc divisé par rc. Donc, à chaque fois, lorsqu'on veut déterminer le déphasage entre une tension et un courant, on cherche l'impédance qui relie cette tension et ce courant. Quelle est l'impédance les quatre rapports juge les barrières si vous voulez le déphasage. Mais tu as dit que l'impédance, il y a l'argument de là. Ok? Par là, qu'est-ce qu'on a? R C, un des résistances au condensateur en série. Donc les circuits sérieux parallèles, ceux qu'on a entendu, marofé. Ok? Circuit mixte, les fils silaf. Mais sérieux parallèle, la rafia kawaid, les circuits qu'on a entendu. Alors, on a les résultats de phi de IA par rapport à U, c'est combien? J'ai trouvé 27,9 degrés. La même chose pour le déphasage de I2 par rapport à U. Donc, c'est moi le déphasage de U par rapport à I2. C'est un circuit AU, AI2. AU, AI2. Donc, je vais à l'impédance les quatre jumelles. Je vais à l'impédance. RL série. Quand on a fait. Donc, je vais à l'argument de là. Je vais à le déphasage entre U et I2. C'est l'argument de celle-là. Je vais à l'argument de là. Quand on a fait déjà la série, c'est. Il y a là c'est tangente moins 1. XL divisé par RL. Donc, il est petit. Vous allez trouver combien? Il est petit à Sidi Radit Lka. N'a qu'est-ce que tu m'y as dit? Moins 68,3 degrés. Ok? D'abord, on a le déphasage de IA. Par rapport à I. Donc, on a le déphasage parce que tu as la capacité, tu es capable de faire le déphasage libre. Mais après, je vais faire le circuit. C'est le déphasage libre. C'est très simple. On a dit IA et I. Le déphasage de IA et I. Je vais dire. Ce sont deux courants. Mais bien sûr, c'est impédance. Donc, c'est que c'est délicat. L'impédance, c'est entre une tension et un courant. Alors que ce n'est pas délicat, c'est très simple. Je vais dire, on va chez tension. Donc, c'est le même relation de Charles. C'est phi de IA par rapport à U plus phi de U par rapport à I. Donc, on va là, U. Okay? Donc, en général, donc il a dit le déphasage entre A et C, le déphasage entre A et B plus le déphasage entre B et C. Ok? Alors, on a deux noms. Déjà, Kenin. C'est 27,9 plus Hada. Voilà le déphasage de U par rapport à I. Ok? Ouais. Ouais, alors, donc, le déphasage, c'est moins 18,3. Allez, à tes coups, allez, à 9,6 degrés. Ok? Bnus tareka, à dire, c'est phi de I2 par rapport à I. Ça y est, donc, la tension U. Donc, c'est phi de I2 par rapport à U plus phi de U par rapport à I. Ok? On va nous dire, c'est ce qu'on a dit. Ou phi de U par rapport à I. Ok? On va trouver moins. Moins 86,6 degrés. Ok? Donc j'espère que c'est clair.
شنو بقى لي فالور انستانتاني؟ هذا سؤال مهم. شوفوا واش كاين شي سؤال. Terminer le déphasage, vous allez faire la même chose. Si Wahid va le déphasage, donc c'est Rachid, le déphasage entre IA et I2. IA et I2. Neuf tariqa l'idrna, Charles, y a imma d'khel I, y a imma d'khel binatum I, ok, ou le d'khel U, parce que bjouj indk. Il a d'khel ti U, on va t'khel d'm bhadou. Il a d'khel ti I, on va t'khel d'm bhadou. Ok, comme tu veux. C'est bon? Alors, je continue. D'abord, les valeurs instantanées. Pour déterminer les valeurs instantanées, nous allons utiliser les phases initiales de I, IA et I2. Okay? Donc, je vais essayer de faire. Je vais effacer même ces valeurs. Donc. Pour déterminer, donc on a clé, pour déterminer la valeur instantanée d'une grandeur sinusoidale qui fait ma bras de school, courant ou la tension, je n'ai aucun stage. Même il y a la valeur instantanée, c'est la question 5. Donc, ce qui se fait là, c'est que I de T par exemple. La valeur efficace, racine de 2, sinus, oméga, t, plus, phi de i. La valeur efficace, quand on cherche la phase initiale de i, ou oméga, parce qu'on a f, f c'est 50 Hz, ou oméga c'est 2 pi f. Donc, on dit, je vais faire le blanc, comment je peux calculer phi de i? On a besoin de torque. On a par exemple la phase initiale de U. Donc, avec I, c'est 0, c'est la valeur efficace. Déjà, c'est 0,83. Ou la phase initiale de I, qui est la phase initiale de U. On a le déphasage de U par rapport à I. C'est déjà un mhsoub. Ok, c'est la phase initiale de U moins la phase initiale de I. Donc, on cherche la phase initiale de I. Implique la phase initiale de I. C'est la phase initiale de U. On vous a donné cette phase initiale est égale à combien? À 0. Moins le déphasage de U par rapport à I. Vous allez trouver combien? On va trouver 18,3. Donc c'est... pardon. C'est 18,3 degrés. Alors, la valeur instantanée de I, I de T, c'est 0,83 racine de 2 sinus. Oméga, c'est 2 pi f. F, c'est donc 100 pi t plus 18,3 degrés. Vous pouvez calculer l'angle en radian, comme vous voulez. La même chose pour IA. Nous allons dire IA. IA de t, c'est IA racine de 2, sinus, oméga t plus phi de i1. Ok?
deux tariqa I1 déjà là ou la phase initiale de I1 تقدروا تخرجوها بشي طريقه من الطرق. OK, par exemple nous avons déjà calculé حنا la phase initiale de donc avec I1 لقيناها سي كومبيان. Nous avons trouvé 0,883 ampères. Pour la phase initiale de I1 on utilise par exemple راه شفنا بزاف مثلا le déphasage de I1 par rapport à I. Le déphasage de I1 par rapport à I. Alors déjà, nous l'avons déjà calculé. C'est phi de I1 moins phi de I implique phi de I1, c'est combien? C'est phi de I1. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche phi de I1. Donc c'est phi de I1 par rapport à I. Il y a I1 par rapport à I plus phi de I. OK? Plus phi de I. Hada, nous l'avons déjà calculé. Nous avons trouvé 9,6. Ou Hada, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? 27,9 degrés. OK? J'espère que je ne suis pas là. Donc, I1 par rapport à I, c'est 9,6. Où est-ce que c'est? Alors, donc, nous, on peut écrire I1 de T, c'est 0, racine de 2, sinus 100 pi T plus 27,9. Ah. De même, de même, vous pouvez calculer I2. Donc, vous l'amendez à l'ouest, vous allez trouver I2. Oui, I2. Donc, la valeur efficace d'Yalha, elle est déjà calculée. C'est 0,148 racine de 2 sinus 100 pi t. Et vous allez trouver la phase initiale de I2. Donc, pour déterminer la phase initiale de I2, vous allez utiliser le déphasage de I2 par rapport à I. De la même manière, vous allez trouver combien? Moins 68,3. Voilà. Donc, on a les valeurs instantanées de I1, de I, I1 et I2. I, I1 et I2. Donc, la dernière chose, c'est les puissances. Donc, avant de voir les puissances, je vois qu'il y a une question. Donc, les cours sont en général à 15h30, donc GMT en général, mais ça peut avoir un changement. Utilise racine de 2, c'est en monophasé. Là, on travaille en monophasé, Aslan. On ne travaille pas en triphasé, c'est en monophasé. J'ai pas compris la question. Donc, Ziane, ça fait. On continue. Donc, pour les puissances, comme vous avez le choix, c'est la dernière question, je pense, 6. P. Vous avez le choix. P, c'est quoi le composant, le dipôle ici qui va absorber la puissance active? C'est les résistances. Donc, vous avez le choix. Ou bien, RC fois quoi? I1 au carré, okay, plus RL fois I2 au carré, okay, à la première relation.
غادي تشوف لي ريزيستانس وتطبق فيهم العلاقه د لا بويسونس ابسوربي بار اون ريزيستانس. ما عجباتكش هذيك شنو دير؟ تي يوتيليز لي طونسيون لي كاينين هنا. تي بو اكريغ سي يو ار سي او كاري ديفيزي بار ار سي بلس جهه اخرى عاوتاني يو ار ال او كاري divisé par RL. Ok? À la deuxième. Mais je vais dire que tu peux utiliser quoi? La tension d'alimentation, le courant principal et le déphasage entre ces deux grandeurs. Yani, c'est U fois I fois cos phi de U par rapport à I. À vous de choisir celle que vous jugez simple. Par exemple, celle-là. Ok? Donc, mais bref, nous avons dit que la même chose pour la puissance réactive. Okay? Donc, c'est la même chose. Nous allons avec le courant, bien la tension ou bien. Okay? Donc, pour simplifier, on va utiliser les relations les plus simples. C'est U fois I fois cos phi du déphasage binaire. La puissance réactive, je vais utiliser U fois I fois sinus phi via le déphasage binaire. Ou la puissance apparente, je vais utiliser par exemple U fois I. Ou là, la racine, okay, vous avez plusieurs relations. La racine de quoi? P carré plus Q au carré, comme vous voulez. Donc, je vais vous donner un cas, je vais vous je vais la calculer. Donc pour la puissance active, U, c'est 100. Pour le courant I, c'est 0,88. Ou le déphasage, 18,3. Donc fois cos. Donc là, on va trouver 83,5 watts. Okay? Pour la puissance réactive, on va la trouver comment? On va la trouver négative. Donc le circuit, est-ce qu'il est inductif ou bien? On a le vendredi, je pense, si nous avons un circuit mixte, est-ce que le déphasage va être positif ou négatif, ça dépend du circuit. Elle accepte le circuit. Par exemple, ici, nous avons trouvé le déphasage. Il a mis à l'aqlin. Donc, c'est moins 18,3. Donc, le circuit, il est comment? Il est capacitif. Pourquoi? Parce que le déphasage est inférieur à 0. Donc, je vais calculer. Donc, il y a 3 fois I, c'est 0. Voilà, je trouve que la puissance réactive, ça se coûte négatif. Elle est parce que le circuit est capacitif. Sinus, moins 18,3. Donc c'est moins 27,6. Moins 27,6 var. Et la dernière, c'est. J'ai comme 88. Miam droba, ça fait facile à 88. Raya 88. Vert. Donc si vous changez les expressions, l'alaqat, si vous utilisez par exemple ici RC, IA au carré, etc. Donc vous pouvez trouver des différences qui sont très très simples. La virgule ou là, on a dit 84. Donc, elle est facile. On a dit qu'il n'y a pas de facile. Ok. Voilà. Donc, c'est ce qui est. L'exercice, j'espère qu'il y a un tamrin واضح et مفيد. Je vais voir, est-ce qu'il y a une question avant de quitter? Est-ce qu'on peut faire la résistance équivalente totale et le produit avec le carré? Non. Non,
هذه شوف هذه تري زامبو، هذا سؤال زوين، هذا سؤال زوين وخطير في نفس الوقت. سي فو بلاي فيت اتونسيون لواحد القضيه. باغ اكزومبل سوبوزون حنا اي ما حسبناهش، سوبوزون نو نافون با كالكولي اي، اوكي، و نو ا دوموندي دو كاتبو منا كالكولي اي 1 اي 2، اوكي، و جيت انا وكتبت اي 1 سي دونك لا ريلاسيون كو جي ديجا دي، دونك لقيناه تيغال ا اكس جو سي با، اي 2 تيغال لقينا عاوتاني بنفس الطريقه ايغريك، و لا كيستيون سويفونت قال لي اون ديدوير اي، اون ديدوير اي، ما تجيش وتكتب اي سي اي ا بلس اي 2 راه سي فو، سي فو، اوكي. وهذا السؤال اللي طرحتي هنا ديال واش نديرو ار ايكيفالون فوا اي او كاري راه تمتي عليه، اوكي. شوف توجور تفكروا هذه مزيان، توجور دون لي سيركوي ا كورون الترناتيف اون جينيرال ا كورون الترناتيف اون نابليك با، هذه اللي طبقته هنا شناهي، سي لا لوا دي نو، اون نابليك با لا لوا دي نو اي لا لوا دي ماي على لي فالور افيكاس، راه سي فو. داكشي في الكونتينو، في الالتيرناتيف راه ما عندكمش. علاش في الكونتينو باردون، علاش في الكونتينو فوز ابليكي على لي فالور افيكاس؟ علاش؟ باسكو يا با دو ديفازاج، كلشي اون فاز. ملي كيكون كلشي اون فاز راه كتجمع، هي اوكان بروبليم. المشكل هو ملي كيكون لو ديفازاج، عندك لو ديفازاج الالتيرناتيف، نو زافون لا نوسيون دو ديفازاج، ها اي 1 ها اي 2. اي باش تفهموا هاد القضيه دونك اي 1 اي 1 بلس اي 2 شنو غيعطينا مثلا؟ هاو ها اي 1 غنزيد عليه اي 2 غنديرلو الازاحه، ها هو اي، فوالا اي. الوغ لوغسكون ملي كنطبقوا لا لوا دي نو، لا لوا دي نو راه شنو عندنا؟ كنطبقوا على لي فيكتور، على لي كومبلكس، سينيال، اتسيتيرا. هنايا انت شوفها غير من هنا، واش هاد الطول زائد هاد الطول غيعطيك هذا؟ نو، وراه هي هادي لا لوا دي نو بلي فالور افيكاس، هي بحال كتقول هاد الطول زائد هاد الطول يساوي هاد لا لونغور هادي، نو. علاش؟ حيت الطول ديال اي 1 اشنو هو؟ هو لا فالور افيكاس، الطول ديال اي 2 هو لا فالور افيكاس ديالها، والطول ديال المتجهه اي هو لا فالور افيكاس دو اي، اوكي؟ دونك اون ابليك با لير ديالكم هذا، اون ابليك با لا لوا دي نو على لي فالور افيكاس، لا ميم شوز بور لا لوا دي ماي، بحال في لاتونسيون حتى هي لا ميم شوز. شي درس كومبلكس ديجا درناه، تقدروا ترجعوا لاباج. ميرسي ايمن. زهير طيب بالنسبه للكورس جي با كومبري شنو السؤال. دونك الى ما كانت شي سؤال نحبسو. سي بون. Donc apparemment il n'y a pas de questions. Je suis vraiment... Voilà, donc chiliqué. Donc je vous remercie. À la prochaine, Charles.